Paris Aquatique organise la compétition de natation artistique pour les Gay Games. Aux Gay Games, on fait la totalité du concours en solo, en duo, en équipe et aussi en combiné. Il y a deux ballets à faire par participation. Les Gay Games, ce sera notre première compétition et on a décidé de faire ça alors qu'on est débutant pour se fixer un petit peu un objectif, pour nous pousser vraiment à nous donner à fond, aller plus loin. Je me suis inscrit aux Gay Games parce que je pense que c'est une très bonne opportunité justement de pouvoir partager avec d'autres sportifs du monde. Un des principes, c'est l'ouverture, la tolérance, et j'ai trouvé ça intéressant que peu importe son âge, son sexe, son niveau, on puisse venir et présenter son sport. La natation synchronisée, c'est un sport qui permet de mélanger la natation, le côté artistique, un peu la gymnastique. C'est un sport qui est assez exigeant mais qui est aussi très gracieux, et puis c'est un sport d'équipe, donc ça je trouve ça sympa aussi. C'est un sport collectif, donc on partage effectivement les émotions, la difficulté, la satisfaction d'avoir réussi. C'est une formidable opportunité que vous avez de participer aux Gay Games à Paris. Donc n'hésitez plus et inscrivez-vous pour participer à l'aventure.